Eh bien, salut à tous, c'est Dragirek et on se retrouve pour le troisième épisode de Wolfenstein The New Order. Donc, je me rappelle plus trop où on en était, mais je voulais déjà vous remercier d'être aussi peu à me suivre. Non, je déconne, je m'en fiche, ne vous inquiétez pas, les gars. Alors, on arrive au troisième épisode et je sais pas où on en était. Ah oui, l'asile, ça y est. Donc on avait eu un problème à l'asile, on avait eu... Eh bien, on avait eu... Ah, oui, voilà. Donc on se retrouvait en 1960, où je vous disais qu'il y avait l'asile. D'ailleurs, je trouvais un... Je peux péter la vie d'ici, hein. Voilà. Donc tout le monde s'est fait tuer, nous on est resté pendant 14 ans dans un sommeil. Comme ça. Voilà. Cette saleté nazie. Alors... Donc on devait aller ici et on va découvrir qu'est-ce qui s'est passé. Là on peut voir s'il y a des machines. Ok donc oui. Vous pouvez voir que les mitrailleuses sont améliorées. Bah oui, les Allemands ont eu le temps de faire quand même des choses. Par contre, niveau mental, là c'est la merde. Ça fait 14 ans qu'on n'a pas marché. Voilà. Salopard de nazi, tuer des gens qui peuvent même pas se défendre. Comme il l'a dit, hein, c'est des salauds. Salauds! Oui, je recharge toutes les 3 secondes. Ok, donc là c'est un peu le stress. Là on se réveille, c'est la merde totale. Oh putain, c'est la merde. C'est la merde, c'est la merde, c'est la merde. Tout qui est en feu. Je suis déjà venu ici. Bon, au moins il a pas oublié certains trucs. Ok. Cartouche de fusil à pompe. Wow. Bon. On peut voir qu'on a été entretenu pendant longtemps. 14 années, ils sont butés. C'est con ça. On a récupéré le fusil à pompe. Oh pêcheur. Attends, j'ai ramassé les mines. Merci. On va les garder plus tard. J'aime bien les armes de 1960, tu vois, elles sont bien. Elles sont pas mal. Elles font beaucoup de dégâts. Elles tirent bien, elles sont droites. Ah oui, si. Alors, ça va pas le faire là pour l'instant. Bon, je vous promets les gars là pour l'instant c'est un peu de la merde là parce que là on est chaud, enfin on est pas chaud là, ça fait. Ah! Ils sont trop les gars. Ah, je me rappelle dehors, c'était l'enfer. Il y a un beau soleil en tout cas. Voilà la sortie. Verrou autorisé. D'où est-ce qu'il s'ouvre? Faut voir d'où est-ce qu'il s'ouvre. Bon, moi je connais le jeu. Go. Merde, c'est vrai, il y en a beaucoup trop, On se barre, Merde.
Réflexe de Call of. Ils sont sympas, ils restent dans ma ligne de mire. Non, on va pas ouvrir pour l'instant. On fait plein de mines. Vous m'aurez jamais. Ah d'accord, ok. J'avais oublié que ça pouvait se casser hein. Putain. Putain, je sais plus comment on change d'arme. Voilà, maximum violence. Bon, j'ai plus beaucoup de vie là. Putain, je suis dans la merde. Je suis à 3 de PV. Je suis à 3 de PV. Ah, allez, allez, allez. C'est bon, c'est remonté au palier 20. Par contre, les gars, je sors pas comme ça. Hein. Je sais ce qui m'attend dehors, alors c'est mort. Je sors pas avec ça en vie. Excuse me. Oh putain. Ah, un peu de vie. Oh. Très intéressant, mais je m'en fous. Ok, là c'est la merde. Vous êtes prêts les gars? Il y a de l'herbe. C'est trop bon. Merde. Oh, pas les grenades, pas les grenades comme ça. Des grenades spéciales, voilà, grenade IEM. Putain. Bonsaï. Allez, faut qu'on se dépêche. Des mines, des mines, des mines, des mines. Ils sont où? Ils sont où? Ils sont là, ils sont là. Ah! Vous pouvez voir qu'il y a des machines volantes. Les nazis ont réussi à faire des putains de machines volantes. Oh putain, ils sont deux. Nah! Run for your life! Putain, je peux pas la quitter, c'est vrai. Ah, j'ai plus de balles. Non mais, sors l'autre arme. Putain. Oh bon bah les gars. Deuxième game over. Je suis nul. Je suis vraiment un caca. Je suis désolé les gens, je suis vraiment vraiment nul. Oh mon dieu. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On va y arriver. On va leur botter le cul. Y'a un problème. Je vais tous vous cutter. Bon, c'est pas une bonne idée. Voilà. C'était pas une bonne idée. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave les gens, c'est pas grave. Ça fait partie du jeu, mourir. Même si je déteste ce passage là. Laissez-moi sortir. Je suis claustro. Non, je déconne, je suis pas claustro, mais j'aimerais bien un peu de vie. Bon, les gars, on va s'organiser. Ah! Vite! Sors-toi! Yeah.
Voilà. Oh merde. Par contre, ils utilisent pas les canons, ils ont des méga canons, mais non. Oui, où il est, où il est, où il est. Merde. Fumier de lapin. Oh putain. Ah. Où est l'autre? Où est l'autre? Où est l'autre? Là. Oh, il m'a explosé à la gueule. Mais non. Par contre, l'herbe est belle. Ouais, Sirgbirschkampf, là, je sais pas ce que ça veut dire. Votre santé peut être surchargée, mais elle diminuera progressivement jusqu'à se trouver son niveau normal. Non, tu crois? Bon, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va prendre qu'un seul pied. Oh. Oh, j'aime ça. Ah, ça cut plus vite. On va prendre ça. Non. Ça, et ça, ce sera l'arme secondaire. Parfait. Alarme! Excuse-moi, je ne vois plus une grenade. C'est un semi-automatique, il est très sympa ce semi-automatique, mais Oui, oui, tenez la position, ça j'ai compris, ça, allemand ou français... Pas des trucs là-bas, là. Ah! C'est bon, j'ai démoli. On se barre, on se barre. Mission. Putain, bah limite max. Tu fous ma gueule. Je me cache. Oh non, 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 non. Merde. Faut que j'envoie son deuxième. C'est bon. Ouais, je vais ramener le corps de la mademoiselle. C'est bon. Un peu de vie. Un peu de vie par-ci. De toute façon, on s'en fout. Bon. On va la sauver, la pauvre. De la force hein, pour un mec qui est dormi 14 ans. On profite pas. Hein. Allez. Ce 4x4 à 6 roues. Jesteś żołnierzem? Umiesz walczyć?
Kim jesteś? Jestem William J. Blaskowitz. Ranger, Army. USA. USA. Je m'excuse, je ne parle pas bien polonais. Vous êtes en état de conduire? Pour aller où? Ben, en anglais au moins. Peu importe. Tout de suite. MDR, il y a quelqu'un dans le coffre. Bonjour. Ah, bah, ouvre. Salut toi. Voilà, coup de tête. Il m'a sali les mains. Ils pleurent la mort de leurs proches. Je ne peux pas partager leur douleur. Trop poignante. La mienne inonderait les océans. Elle me noierait si je la libérais. On est en 60. 1960 ? Oui. Oui. Vous avez passé 14 ans au centre. On est en 60. Il va falloir que je contacte l'armée américaine. Il faut que mon unité sache que je suis toujours en vie. Il n'y a plus de guerre. C'est fini. Il n'y a plus d'armée ici, non? Ça peut pas être fini, ça grouille encore de nazis dans le coin. Ils ont gagné. Tout est fini. Les nazis dirigent le monde maintenant. Ils sont partout dans le pays. Partout. Et les Américains dans tout ça? Les États-Unis, ils... Comment on dit? Potedatch? Capitulés, ils ont... Ils se sont rendus. Oui, à cause de... De la bombe atomique. Ils se sont rendus il y a 12 ans maintenant, après les bombardements nazis sur leur pays. Oui. Je vais chercher la résistance. Je la trouverai et je me joindrai au combat. Oh non, 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 il n'y a plus de résistance. Tous les membres ont été capturés. Les survivants, les nazis, les ont enfermés. Et où ils les gardent tout ça, on ne le sait pas. Je suis pas content là. Pas content. Petite musique d'ambiance. Peut-être l'un de mes passages préférés du jeu. Je suis un commandant entraîné et expérimenté qui travaille sous les ordres du général Strass en personne. Est-ce que vous savez quel sort vous attend si vous ne me libérez pas? Ça ne sert à rien de me retenir ici. Montrerai clément envers vous, l'infirmière et sa famille, si vous me laissez partir immédiatement. Vous avez ma parole. Mais bien sûr. J'ai une petite montre en or. Alors, j'ai besoin de protection. Savez-vous qui je suis exactement? Vous avez tout intérêt à vous arrêter tout de suite et à me libérer! Oh, la jolie petite musique! Tu vas pleurer! Oh! Laisse-moi te rafraîchir la mémoire. C'est qui dirige là? Pauvre cinglé, mettez-vous ça dans le crâne, je fais partie d'une race supérieure! Oui, la race aryenne, c'est ça? Oui. Warum hörst du nicht, du Schwachkopf? Tu sais que je comprends l'allemand aussi, mon petit. C'est bon, là? Tu vas rester assis, mon petit. Je vais vous dire ce qu'on va faire. Je
vais vous poser une question. Et vous, vous allez me donner une réponse satisfaisante. Et si jamais elle ne me convient pas, je vais me servir de cet engin pour vous décapiter, c'est compris? Coucou. Bien, on commence. Où maintenez-vous prisonniers les résistants que vous avez capturés? Navré, je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Il n'y a pas de résistance. Qu'est-ce que vous voulez? Où sont les combattants de la résistance? Berlin, la prison d'Eisenwald. Mais vous n'y arriverez jamais. Il y a des barrages partout. On vous recherche. On vous recherche tous les deux. Ils vous trouveront bientôt ici. Et ils vous mettront à genoux! Non! Non! Готовы, готовы. Je trouve ça dommage qu'ils aient censuré. Jesteś przystojny chłop, panie Błaskowicz. Nie taki przystojny jak ja, ale nieźle, nieźle. Pilnuj jej. Rozumiemy się? Albo ja cię znajdę i zrobię ci krzywdę. Rozumiem. Dobrze. Dobrze. Więc wybieramy się do Berlina. Accorde-nous ta miséricorde, Seigneur. Donne-nous la force de traverser ces eaux obscures. Étouffe le bruit de nos pas. Et de nos souffles. On va se cacher. La tempête. Protège-nous de ces loups affamés. Boom, bitch. Prenez ma main. La route est dangereuse. Vous tuez les nazis. Prenez, je reste à la voiture. Mec, on ferme sa meuf. Enfin, sa fille. Ici, tuez tout le monde. Oh, t'inquiète pas que je compte buter tout le monde, mon petit. Et je compte me faire plaisir. On transporte une cargaison précieuse, on a un train à prendre. Allez, tuez les nazis. Ouais, bah ça je compte bien me faire plaisir. Non, on va y aller à la discrète. Vous savez quoi, on va le faire un épisode discret. Ah, fragment du code. J'ai jamais réussi à finir le code. Est-ce que la surcharge la fait maintenant ou pas? J'ai pas besoin de vie, mais bon. En fait, j'aimerais arriver à 200 de vie, les gens. Parce que 200, en fait, ça va te permettre de débloquer 125 de vie. Ouh, toi, mon coco. Coucou Chepanier, mon petit. Coucou Chepanier, oui mon gars. Eh oui mon gars, tu restes discret. Et tu fais des victimes. J'espère qu'il n'y a personne qui va arriver parce que je peux me faire attaquer pendant ça. Pas dans Skyrim les petits. Personne pour l'instant. Pistolet, grenade. Le mec stocke ça sur son bureau, tu sais. Alors, oh putain, il y a la vie là. Vous savez quoi? Attends, on va garder la vie. Y'a pas des trucs cachés là? J'espère juste qu'il y aura personne là-haut.
Pour l'instant, je vois personne. Bon, après, j'ai pas de sniper. Oups, X pour descendre. Bon, bah, je saurais. Ah, bah oui, je suis con. X pour sauter. alors. Excusez-moi. Ah, ouais, la tyrolienne. La James Bond. C'était pas forcément très. Ouh. Ouh, est-ce que c'est l'arme que je pense? Oh, alors ça, les gens. C'est le sniper que je pense. Oh, il est beau. Surprise, motherfucker. Chut, couché. Merde. Salaud! Je joue au con. Alors, particularité de 1960, des armes laser. Maintenant, vous avez vu, on n'a plus une jauge de munitions, mais de batterie. Ah, par contre, ça les désintègre, hein, les gens. Je pense avoir fait le ménage là-bas. Regardez, il n'y a plus de batterie. Je leur pose dessus. Fermé, je reprends la batterie, voilà, c'est la recharge. Ah! Ah! Rentre dedans. De la vie. Oula, on est dans la merde. Oh le bâtard. Ouais, où je t'ai affreux, mais je peux mourir. Allez, la vie là. Non, c'est des mines. Putain, le con, il m'a fait peur, lui. Retour à la voiture. Ah, c'est bon. Ça veut dire que j'ai tué tous les nazis qui étaient dans la zone. Très bien. Alors maintenant, tu vas pas faire chier, mais j'aimerais trouver... de la vie. Heureusement j'en ai laissé quelque part. Même pas. Connard. Excusez-moi, mais j'aimerais trouver de la vie, s'il vous plaît. De la vie. Pardon. Des munes. Génial. Merci. J'avais vraiment besoin de munes. Bon, tu sais quoi. Ah putain, en plus je me fais mal comme un con. Oh, c'est quoi ça? Ah, c'est un couteau. Limite de couteau atteint. Ah oui, aussi un truc à débloquer, genre tu peux lancer un couteau. Il me semble que tu peux... T'as une compétence pour lancer un couteau. Bah, je vais d'ailleurs vous la présenter. Juste après ça, là. Putain. Arrête de te foutre de ma gueule, le truc. Merci. Ah bah tiens, c'est là où je vais laisser de la vie. J'ai laissé dans le tunnel. Bon, vous savez quoi, on s'en fout. Non, c'est pas là. C'est ici. Non, ça c'était le bouton cher. Ah bah voilà. Oh, c'est mieux fait qu'avant. Attends. Atouts. Alors, les atouts. Les furtivités permettent de lancer des couteaux aux ennemis. Il faut que je fasse une élimination furtive. D'accord. Il faut que je fasse une élimination furtive. Ok. Accrochez-vous. Joli pont. Ah, je vous ai pas présenté le décor aussi au-dessus là. Passe sous un pont. Seul défaut du jeu, de ça. Vous visez bien dans votre âge. Ah oui, j'avais oublié que j'avais plus de vie. Bon, c'est génial. Ah, salaud. Hein. J'ai plus de vie et j'y arrive pas. Je suis nul. Serais-je une merde? Visez bien pour votre âge. Ouais. Bah, il vise bien le vieillard, mais lui il se fait pas défoncer. Par contre, ça va pas le faire. Il me faut de la vie là. Et tout de suite. Ah, à manger. Oh yeah. Oh, attends.
fragment du codec, ouais, parfait. Ouais, bon, je vais te dire, merde. Je sais qu'il y a pas mal d'ennemis à l'intérieur. Oh, j'ai explosé la tête. C'était dégueulasse. On a bien entendu le petit bruit en mode. Voilà. Alors, vous pouvez voir qu'ils sont plus blindés qu'avant, là, les nazis. Ah, ils ont réussi hein, en 14 ans à avoir du blindage, tous les trucs les plus intéressants du monde. Putain, c'est à droite ou c'est haut? Coopératif avec les nazis, enfoiré. Ouais, ouais, j'arrive. Je suis patient, s'il te plaît. Je vais te péter la gueule. C'est bon là? Tu t'enjailles? Oh non. Ouais, non. Vous savez quoi? On va partir par là, c'est mieux là. Ouais. Mangez-vous à tirer des grenades, les gars. Ah! Ah! C'est vous êtes tous là en fait. Ah, c'est ma famille d'abord quoi. Oh merde! Je vais pas me faire buter, je vais pas me faire. Putain! On est trop bas en vie là, il faut vraiment que je trouve une amélioration de ça pour. Une compétence pour avoir plus de vie. Parce que là, c'est vraiment la merde. Oh mon dieu, y'a plus de vie, y'a plus de vie quoi. Y'a plus rien. Et moi qui me plaignais tout à l'heure qu'il n'y avait pas assez de difficultés. Ouais. Mais bravo hein. Faut que j'aille où là. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que je suis dans le mauvais endroit. Ah! Ah bah très bien. Je suis jamais allé là sur PS3. C'est la prochaine étape ici, ouais. Là. Ouais, on peut descendre. Ah bah tiens, bah c'est la suite en fait. Sauf que c'est de l'autre côté. Ta gueule. Oh putain, ils sont résistants. Attends un peu que je trouve des armes adéquates. Le snipe. Encore mieux que dans le GTA. Je reste à couper quand même parce que j'ai plus beaucoup de vie. De la vie là. Passe-moi de la vie quand même. C'est que le temps avance vite quand même. Je ferai des coupures. Hein. Si tu veux que je te dise, mais bon. Oh, mais vas-y, mais je suis con aussi. Non, on n'a pas cette vie. Non ! Oh putain de merde. Bon ! Bah j'ai envie de te dire. Attends, me dis pas que ce coin n'a servi à rien. Non. Vous foutez de ma gueule là. Dis-moi que ça descend en bas. Ah, attends, là. Je peux passer. Oh. En plus, il me nargue avec la petite vie, là. Mais... Excusez-moi, je fais où? Parce que là, je ne sais... Ah, là. Je vais pouvoir faire du furtif, là. Ok. Je vais faire absolument du furtif pour pouvoir jeter des couteaux comme des grenades. Il y en a un qui arrive.
c'est pas ça. Putain! Est-ce que c'était discret? Oh non. C'était pas discret, c'est ça? C'était pas discret. Est-ce que t'as alerté tes copains? Merde. Il va voir le cadavre, mon gars. Il y a une petite croix gammée là sur les épées. Putain, même leurs épées, il y a des croix gammées, s'il te plaît. Viens là. C'était pas discret, ça? Non. Pas assez, à ce que je vois. Ok. Oh, bien, il faut faire monter la plateforme. Au travail. Eh bien, c'est sur ce que je vais vous laisser, parce que je me rappelle de ce passage-là, il risque d'être assez énervant et assez rageant. Bon. Eh bien, c'était Dragirek, et je vous dis au revoir. Ciao, ciao.